Gauthier, évidemment, avec sa solidité et son mental d'acier, on peut s'attendre, et j'espère qu'il va se faire plaisir en tout cas. On va le laisser rentrer dans la voie, et à la mi-monde, ça sort, le Jamaïca. Regarde, on dirait qu'elle t'a écouté, Mégane. C'est incroyable, parce que là, quand on voit que le pied zip un peu après pour se relever, et voilà, dès que tu perds un gros appui, très difficile de comprendre de quel côté il faut passer sur ce volume. Il y a peut-être plusieurs solutions. Allez, Mélissa, pareil, vous allez l'aider à rentrer dans le circuit, s'il vous plaît. Il y a des blocs qui courent, ça va. Il y a des blocs qui correspondront à des grimpeurs et des grimpeuses, et puis des blocs moins. Hein. Allez, Mélissa. Elle a compris ce qu'il fallait faire maintenant. Alors notre Duc, l'année dernière, il avait terminé deuxième du classement général de la Coupe du Monde. Cette année, il est cinquième. Il avait remporté l'année dernière deux Coupes du Monde, Briançon. Il avait remporté Briançon, mais il avait remporté la Norvège. Et cette saison, il a fini troisième à Imst. Alors Gauthier, depuis tout jeune, il fait partie des meilleurs Français et des meilleurs grimpeurs européens aussi, hein, beaucoup de tours en Coupe d'Europe. Effectivement, la saison passée, il a passé un cap en remportant deux compétitions et a montré que vraiment, il fallait compter sur lui. Alors on va laisser Pascal et après les grosses difficultés, après vous lui ferez une ovation, Mélissa, s'il vous plaît. Je pense qu'elle va arrêter là. Mélissa aussi, on peut les applaudir.